Ouais Flo. Ça va et toi? Ouais ouais vas-y je t'écoute. Ah c'est des extensions là que t'as? Ouais. C'est le chéri de mon beau-frère qui me les a posées. Elles sont trop bien faites. Bon vu comme ça c'est... Mais ça se voit pas. Ah c'est là voilà j'ai vu. Ouais. C'est quoi, c'est de la kératine? Ouais mais elles sont toutes fines. Il est trop trop fort. Je te jure. Tu m'aurais pas dit, j'aurais pas su. Eh ouais. Le but c'est d'avoir du fake mais qui fait beau. Tu vois, qui fait naturel. C'est ça aujourd'hui le concept en 2019, c'est du fake naturel. C'est comme la chirurgie et les injections. D'ailleurs, je vais me faire opérer de la poitrine. Mais t'as une belle poitrine. Je vais faire comme comme Fiji elle a fait là. Je me suis mis en contact avec la même. C'est-à-dire, tu vas réduire ta poitrine? J'aimerais bien avoir le même volume, mais tu sais, moins projeté. Il y a juste les codes promo. Ouais. Donc tu sais là, le slide champ qu'on a vu ensemble. Ouais, ouais. Moi c'est vraiment au niveau de la texture, tu vois. Genre c'est trop bien dégraissant. La texture c'est génial. Et je le dis entre toi et moi, depuis ce matin 9h, j'ai appel au téléphone parce qu'ils nous demandaient d'autres papiers et ils nous ont enlevé la validation du compte. D'accord, parce qu'il manquait donc, des papiers. C'est con à dire, mais tu sais quoi, je pense qu'on te donne moins de crédit quand t'as des gros faux seins en plastique que quand t'as une poitrine naturelle. Mais alors, tu vas me dire si tu partages mon avis, mais j'ai l'impression que la mode des obus, la mode des seins très volumineux, elle est en train de mourir. Alors, je vais te dire un truc, c'est la mode des gros culs. Je lui ai demandé une version avec les commentaires des coachs, comme il y avait sur la première vidéo initiale. Je sais pas si tu te souviens de la Villa dans les émissions avant, c'était un truc de ouf, elle avait un rouge à lèvres genre rose, couleur panthère rose, des boobs comme ça. Je trouvais pas ça beau, tu vois, parce que c'était vraiment le paroxysme de la cagole, mais tu sais, ça me choquait pas. Il y avait trop de gens comme ça dans la rue, la mode des filles qui avaient la frange avec le rouge à lèvres rose, pétasse, là. Et moi, je l'ai eu, je crois. À un moment, j'ai craqué aussi. Je suis partie en cacahuète. J'ai eu des styles improbables, vraiment. Tu me fais un fichier Word par mail, maintenant, en me donnant toutes les adresses mail. Des testeurs. Okay. Voilà, de tes bêta-testeurs. Ok, ça marche. Je vais faire de la chirurgie naturelle, qui ressemble à du naturel. C'est du fake, mais ça ressemble à du vrai. Et pas trop de dénaturé, justement. À la base, la chirurgie, c'est pour t'améliorer, c'est pas pour te changer complètement. Que tu Alors, toi, t'as amélioré quoi grâce à la chirurgie esthétique? Mais avant, tiens-moi juste, il y a une nouvelle, ça va. Ouais. Allez, vas-y, bisous. J'ai fait la poitrine, donc ça a amélioré mon quotidien, on va dire, parce que quand t'achètes des vêtements sur les sites internet ou alors en magasin, tu sais que t'as un joli décolleté et que tu fais un AB, tu le mets, bon, ça donne pas pareil que sur la photo, tu vois, c'est décevant un peu quand même. J'ai fait les injections dans la bouche, mais alors j'ai fait léger, j'ai fait... En fait, j'ai un très bon médecin et je lui ai pas fait de volume, j'ai fait que le contour, genre il m'a fait un peu là et un peu là. Il m'a pas rempli, tu sais, il a pas fait gonfler ma lèvre. Il a juste marqué la netteté du contour en fait. Tu as fait le botox sur le front, mais alors ça marche pas du tout. Juste, ça te fige pendant. Franchement, pendant un mois, alors tes expressions elles sont trop étranges, tu vois. On dirait tout le temps que t'es fâchée. C'est pas terrible. Je suis pas trop fan du botox. Par contre, j'ai fait un truc qui m'a vraiment aidée, je te montrerai une photo. J'avais les sillons nasogéniens ici très très marqués. Genre, c'est un truc de famille, tu vois. Et en fait, quelques injections là et là, pourtant, quand tu vas enlever les rides là, tu fais ça. Celle-là va être compliquée. Parce qu'elle va taper d'abord là. C'était obligé. Ah si, j'ai fait des injections dans le nez aussi, j'avais oublié. Ah bon? J'ai le nez cassé. Mais qu'est-ce que t'as fait au nez? C'est une longue histoire. C'est ma jeunesse sombre. Je me suis pris une patate. Mais oui, mais comment on peut faire des injections dans le nez? Eh ben, un médecin, il fait des injections, tu sais, il fait des rhinoplasties médicales. En gros, il regarde, bon, là, tu vois, c'est un peu parti. Sans anesthésie générale, sans passer, bosse. Sans casser, en fait. Ouais, sans casser. Donc, c'est vraiment, j'ai une petite bosse, là, parce que c'est un peu parti. Mais il te fait des injections, et en fait, il fait des miracles. Hein. Moi, j'ai vu des filles sur ces photos, elles arrivent, elles ont un bec de perroquet, elles repartent, elles ont un air petit en trompette, tu vois. Et fesses, t'as déjà fait quelque chose vu que c'est la mode des grosses fesses? Non, j'ai pris du gras dans mes fesses pour les mettre dans les seins, par contre, ça c'est vrai. Ah, t'as enlevé du gras de ton fessier? Ouais, j'ai enlevé sur les côtés là. J'ai enlevé ici pour mettre dans mes seins devant. Et après, j'ai fait les oreilles aussi. J'ai recollé mes oreilles.
Je peux m'attacher les cheveux sans problème maintenant. Tu te fais des petites parties de billard comme ça. Ouais, elle est trop longue là. Non, mais je sais pas si je le mets. Je fais un nœud ou si je le mets dedans. Vu qu'elle est longue, je m'occupe. Alors, c'est pas un nœud parce que j'aime pas, ça fait une bosse. Tu passes le temps pendant qu'elle se coiffe, pendant qu'elle met ses crèmes. Ah, pendant qu'elle se maquille, pendant qu'elle s'habille, pendant qu'elle met 100 ans, quoi. Est-ce que je le mets dedans? J'aimais bien le nœud, comme t'avais fait avant. C'est ouais. Putain, t'es bien roulé, hein? Non, j'ai grossi. Ah non, l'air. T'es bien foutu, chérie. J'ai grossi. Non, 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 mais je te le dis. J'ai pris des promis d'amour. Oh là là, arrête! Je vais me remettre. Non, c'est parce que j'ai lâché un peu là. J'avais pris aussi. Bébé! Non, mais attends, je prends une veste. Bébé! On y va? On va où? On va dans un magasin de bébé? Allô? Il dort. Tu dormais? Petite sieste. C'est, dis-moi, tu as placé un produit ou tu l'as fabriqué? Ouais, je suis allée le fabriquer en Chine. Ça a duré 2 heures, c'est bon.